Voilà. Ami Miendjessé d'ailleurs, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, Papa Manou de la vie est connecté, le déchireur du voile de l'ignorance. Voilà, est connecté. Voilà. Papa Manou est connecté. Le déchireur du voile de l'ignorance est en ligne. Voilà. Donc, nous allons faire ce petit direct. Voilà. Le direct. Voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le son est bon? Lyokadi Somda, Kamarala Semdi, est-ce que le son est bon? Kati Gloire, est-ce que le son est bon? Voilà, Kati Gloire, voilà, on me confirme que le son est bon, voilà, on peut lancer. Tanti Aïvi, est-ce que ça va? Ça va chez toi, maman Tanti? Voilà, Ami Miendjessé d'ailleurs, bonjour, bonjour, bonjour. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Guyane. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses cachées de la divine nature. C'est un espace vidéo que nous avons créé pour parler des choses de cette vie afin, n'est-ce pas, de déchirer le voile de l'ignorance. Parce qu'aucun homme, aucun ignorant ne peut vivre heureux sur la terre. Ce n'est pas possible. Et parmi les ignorances les plus mortelles, les plus cruelles, il y a l'ignorance qui porte sur l'information de la lune. Si vous êtes dans un endroit, on ne vous parle pas de ces choses-là, des pouvoirs magiques de la lune, de la mer, du soleil, de la terre, des plantes, vous n'êtes pas au bon endroit. Vous êtes dans un endroit où on est en train de vous cloner. On est en train de formater votre esprit. En fait, c'est ça même qui marque la différence entre la religion et la spiritualité. Voilà, envoyez les cœurs, je vous en prie. Voilà, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Bon, aujourd'hui, nous allons parler comment opérer un choix judicieux, un très bon choix face à un dilemme. Nous allons parler comment la divine nature, tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné. Mais aujourd'hui, avant de parler de ces choses, nous allons, Ami Miendjessé d'ailleurs, excusez-moi une minute. Voilà, avant de. Voilà là. Il y a l'obligé qui m'annonce. Voilà. Excusez-moi, il y a le vigile qui m'annonce. Il y avait une urgence. Voilà. Donc, les informations relatives, excusez-moi, il y a le vigile qui avait besoin de moi. Voilà. Il y a des informations relatives aux phases de la divine lune. C'est très important. Je disais tout à l'heure que. Vraiment, avant de faire le direct, je voudrais vous présenter toutes mes excuses. Voilà, l'humilité précède la gloire. Pour les scanners livrés avec retard, abandonnés, les kits abandonnés, des rêves que je n'ai pas pu interpréter et tout, ce n'est pas de ma faute. C'est tout simplement que je suis bousculé. Je vous ai déjà dit. Voilà, la grandeur d'un homme se mesure à la capacité d'accepter ses erreurs et de demander et de présenter les excuses. Ça ne sert à rien de te justifier. Non, je suis trop fort. Non. Tu dis vraiment, j'ai failli. Sincèrement, j'ai failli. Voilà, j'ai failli et beaucoup failli même. D'un, le groupe des élus, il y en a, on est en train de corriger, il y en a qui m'ont dit, oui, ils n'ont pas eu satisfaction. Oui, je ne suis pas le bon Dieu. Voilà, sur cinq de tes soucis, si par le groupe des élus, trois ont été résolus, dis gloire à Dieu. Et voilà,
et vous avez les exclusivités. Il y en a même qui ne pratiquent pas. Hein. Tu fais le scanner, ils ne font rien. On dit, prie, ils ne prient pas. 40 jours de prière, non. Il faut que Manu, papa Manu, m'a donné une recette pour que ma vie change. Fais ça, tu refuses de faire. Non, on n'a pas le temps à... Non. Même Dieu, là, il ne s'occupe pas de toutes les prières. Ce n'est pas toutes les prières que Dieu répond. Il ne répond pas à toutes les prières. Si tu veux passer tout ton temps à jeûner, prie, va même, suicide-toi, dis que tu es Camerounais, tu as 70 ans ou je ne sais pas, tu veux être le président des États-Unis. Dieu ne peut pas être exaucé. Même s'il y a la foi, il ne pourra pas. Tu n'es même pas encore élu, même si un peu chef de quartier, chef de canton dans ton pays, tu veux être le président de la République des États-Unis. Sous prétexte que Dieu, non, il n'exauce pas toutes les prières. Sinon, moi, je peux prier aujourd'hui que je veux que tel décède. C'est que chaque jour, les prières ne sont pas, c'est ça. Donc, je ne suis pas Dieu. Hein? Mais, je suis le déchireur du voile de l'ignorance. Voilà mon rôle. Tu souffres, voilà. Fais ça. Tu ne fais pas, mais mon problème n'est pas là. Je vais vous faire suivre le témoignage d'une dame qui s'est fait scanner. Écoutez bien, elle m'a envoyé des photos, des trucs, mais je ne peux pas. Je peux pas vous balancer ces photos-là. Non, je ne peux pas. Parce que c'est une intimité grave. Mais au moins, vous allez écouter l'audio. Vous allez écouter l'audio, son premier témoignage. Et il y en a d'autres. Parce que, après ça, elle m'a envoyé des témoignages. Elle m'a dit, papa, il y en a d'autres. Voilà, écoutez. Bonjour, papa Manon. Voilà. Je viens passer au voice te faire un grand témoignage qui est arrivé dans ma vie. Papa Manon, depuis que je t'ai connu sur les réseaux sociaux, c'est YouTube qui m'a fait te connaître. Alors, je t'ai contacté, tu as fait mon scanner. Et là, j'ai commencé à prendre les produits et à faire ma prière. C'est vrai que la prière personnalisée, je ne respectais pas la fatigue et tout, et tout, et tout, et tout. Mm-hmm. Mais j'ai quand même persévéré. En brûlant l'encens iode, l'encens qui chasse toutes les négativités et tout. Voilà, alors, pendant l'année scolaire 2022, la maîtresse de mon fils malade qui était couché sur le lit d'hôpital, l'handicapé là, elle m'a envoyé un lien. Elle dit, oh, il y a une organisation qui est en train de faire les donations. Tu peux inscrire le nom de ton fils et suivre les informations qu'il demande. Alors, j'ai fait la demande dans cette organisation-là. J'ai fait la demande. Premièrement, c'était au nom de mon mari. La demande n'a pas abouti. Ils ont rejeté. Je suis restée comme ça. Là, j'ai dit, Seigneur, à quoi me servent donc les astuces que je fais? Ou je suis ton enfant ou je ne suis pas ton enfant. J'ai pris la demande là moi-même. J'ai écrit avec mon nom. J'ai vu un direct que vous aviez fait en disant comment utiliser la verveine et l'huile de la verveine et le clou de girofle quand on veut faire une demande de travail ou bien une demande de quelque chose qu'on veut avoir. Alors j'ai écrit et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai pris mon huile essentielle de clou de girofle. J'ai mis sur le papier. J'ai prié dessus. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris l'huile de la verveine. J'ai mis dessus que papa, que quand on va faire le tirage au sort, que le nom de mon fils soit parmi les 5 premiers noms qui vont gagner ce tirage au sort. Papa Manon, guess what? Mon fils a gagné une voiture. Une voiture. Je vais t'envoyer la photo. Amen. Ça fait 2 mois qu'on nous a remis la voiture en personne. Là où je te parlais là. Comme il te parlait là, la voiture est déjà là, à la maison. La voiture est à la maison. Papa Manon, grand merci. Grand merci. Parce que grâce à tes astuces, grâce à tes conseils, grâce à l'encens qui chasse toute négativité, l'encens iode, j'ai purifié la maison. J'avais purifié la maison pendant 3 jours. J'ai prié pendant 3 jours. J'ai fait cette astuce-là. Oh mon Dieu, je t'envoie la vidéo, la photo de la voiture tout de suite. Merci beaucoup, Papa Manon. Que le Seigneur te bénisse davantage. Amen. 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 Dans ça, il y a 3 choses que j'ai pu retenir. L'enseignement dans cet audio, c'est son mari qui fait la demande. On rejette. On ne rejette pas parce qu'il n'est pas marié. On ne rejette pas parce que c'est un homme. C'est le père de l'enfant.
On dit, toi là, tu n'es pas qualifié, on a rejeté. Pourquoi? Parce que le mari n'était pas dans les dispositions spirituelles, n'était pas connecté à son divin. Voilà pourquoi. Oui, à partir de là, la femme, l'homme doit comprendre que sa femme et lui, là, ils ne sont pas sur le même niveau spirituel. Il a encore ce qu'on appelle dans le monde. Parce que monsieur est parti faire la demande. C'est le même enfant. C'est le père de l'enfant. On a dit, toi, ta demande, on a... À cause de son nom, rempli d'énergie négative, on a déchiré la demande. La femme a dit, moi-même, je vais faire maintenant. Je suis la mère, je vais faire. Elle dit, moi-même, je fais. Et comme l'ignorance, vous voyez, monsieur est resté écrit, oui, mais que peut-être qu'il est docteur. On dit ça, là, on ne dit pas ça. La dame étant connectée, elle sait pour formuler une demande, il y a des actus à faire. Ah, on ne fait pas comme ça. Même moi, en épreuve, si je n'ouvre pas les écluses du ciel sur tout. C'est-à-dire, non, il y a quoi passer dans la Bible que je récite ça tous les jours. C'est-à-dire, j'ai mémorisé, même le jour de ma mort, c'est ça qui est dans ma bouche. Dieu pourvoira, première des choses, c'est Abraham qui dit, va immoler ton fils, il tient le fils Isaac, il a fait partir dans sa bouche, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. La suite, vous connaissez. Deuxième, c'est, je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. C'est Dieu qui parle. Hein? Moi, là, je vais te donner les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas. J'ai la tête de poule. Voiture, là, ce n'est pas moins de 30 millions. Neuve. Et dans ça, on a encore mis le chauffeur à sa disposition et on lui a encore donné le jeton. Mais moi, en épreuve, si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi, elle a mis en épreuve, va le deuxième enseignement. Quand il dit, Dieu, si mon fils n'est pas parmi les cinq, je te renie. Dieu dit, ah bon, mais tu veux que je te donne, toi-même tu m'as donné quoi? Il dit, je t'ai donné les prières, les accuses que j'ai fait là, tu crois que je suis fou bien. Je peux prendre ce temps pour aller m'amuser, j'ai fait telle chose, je prie, je passe des nuits à faire la prière personnalisée, tout ça là. Je te donnerai, j'ai dit, j'ouvrirai, les écluses du ciel pour toi. C'est un contrat. Donc, si tu ne signes pas le contrat, là, ne t'attends pas. Oui, il y a la chance, oui. Même la chance, là, c'est pas un fait de hasard. La chance n'est pas un fait de hasard. Il faut mériter. Sinon, c'est pas une grande chance. Mais ceux qui sont nés les 31 premiers, c'est comme une dame. Il y a le scanner de 6 enfants. Elle et son mari, ça fait 8 cas. J'ai dit, madame, dès qu'elle a envoyé, je commence d'abord par ceux, je regarde le 31 premier. Je commence par eux. Et le scanner m'a révélé, dit, le monsieur, si vraiment, c'est pas la magie. Dieu a tout créé. Ton nom comporte à des énergies. C'est pourquoi dans toute l'histoire de l'humanité, tu ne verras jamais qui s'appelle Jean-Marie Satan. Ça n'existe pas. Vous voyez, parce que le nom là n'est pas bon. Dans le nom qu'on t'a donné, ta date de naissance, tout est là. À partir de ce moment, on peut savoir qui est ce monsieur, qui est cette dame. Voilà l'enseignement. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Mais quand Dieu dit je te donne, vous savez que le donner précède le recevoir. Pour qu'on te donne là, il faut que tu donnes aussi. Pour que tu reçoives, il faut donner. Donc elle a donné à Dieu. Les actus qu'elle faisait, elle pouvait prendre ça pour aller faire les pécopes, les mécopes. Je ne vous montre pas la suite. Voilà la voiture, plus de 30 millions. C'est la maîtresse qui dit, mais tu ne peux pas faire une demande. Pour... Voilà l'ange de Dieu qui s'annonce. La maîtresse. Mais elle n'est pas ce n'est pas le seul élève. Hein? Mais Dieu touche, comme Dieu me touche, de te parler comment opérer un choix judicieux, un bon choix face à un dilemme. Tu es embarrassé. On te propose un travail, tu vas aller travailler aux États-Unis, tu vas aller travailler en France, tu vas aller travailler au Cameroun, ou bien c'est au Burkina Faso. Face à un choix où tu ne sais pas, tout est bon. Oui, tu as deux gars, tu ne sais pas lequel prendre.
Hein, tu as deux peaux, tu ne sais pas laquelle choisir. Ça, là, je vais parler de ça aujourd'hui. Moi, je suis le prêtre de l'évangile des temps modernes d'Angloïde. Mon rôle est de déchirer le voile de l'ignorance. Ne me collez aucune étiquette. Je ne suis ni prêtre, ni pasteur, ni marabout, ni charlatan. Mon rôle, c'est de déchirer le voile de l'ignorance. Voilà son histoire. Elle n'est pas allée dormir dans un cimetière pour mériter ça. 30 millions de cadeaux. Même moi, en épreuve, si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Voilà son écluse. Voiture 3 millions avec un petit jeton dedans. Parce que ça, là, il faut mettre carburant. On lui a donné. Ah. Son mari a fait, on a rejeté. Donc, la vie, c'est un grand mystère. Alors, je disais tantôt, les pyramides. Il n'y a pas pyramide qui dépasse ce que vous avez vu là. C'est déjà disponible. Je parlais quand dans le premier direct que j'ai été obligé, parce que la qualité du son n'était pas bonne. En fait, il y a un truc quand tu fais le direct, on dit qu'il faut régler le son. Moi, je suis allé plutôt fermer le son. Je suis là-haut, je ne connais pas. Donc, pourquoi je parlais seul. Donc, elle a pris, quand j'ai fait le direct sur la pyramide, elle s'est fabriquée à l'aide d'un scotch, un papier sous forme de la pyramide. Elle a mis ça dans son bureau. Ça se passe à Libreville, au Gabon. Alors, il y a un monsieur qui est entré. Puis, c'est un bureau. Le monsieur a commencé à... Il a parlé, fini, bon. Et après, il dit curieusement, mais madame, cette figure-là, la chose qu'elle a là, mais vous n'êtes pas simple, hein? C'est lui qui m'aime, qui dit, hein? Vous n'êtes pas simple. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mais ça, c'est les initiés. Ce que vous avez mis là, voilà, c'est pas amusement. Donc, elle a ri, le monsieur est sorti. Et quelques jours après, il est venu, il s'est présenté, qu'il est dans une loge, que ce qu'elle a là, c'est la pyramide, c'est la magie qu'elle a. Donc, ça lui a rappelé tout ce que je disais. Je coupe, je ne dois pas faire le direct pour tout vous donner. Parce que dans la masse, on ne donne pas tout. Même Jésus, quand il était face à la masse, il ne disait pas tout. Mais il donnait l'essentiel, mais il fermait les côtes. C'est pourquoi vous allez voir, il dit en vérité, en vérité, en vérité. Dans la Bible, chaque fois vous voyez, en vérité, en vérité. Ce qui vient là, c'est connu. Et au point même, Matthieu qui lui demande, mais pourquoi chaque fois que tu es devant la masse, mon papa, Jésus, tu parles toujours avec les côtes. Il y a des choses qu'on ne dit pas dans la masse. Parce que si tu dis dans la masse, hein, la masse là, elle n'est pas préparée à comprendre certaines choses. Donc pour ça, je parle encore. Mais vous qui êtes dans l'intimité, dites-vous heureux parce que je vous ai déjà montré l'enseignement que les plus grands chercheurs, les plus savants de cette terre ne verront jamais. Tout enseignement, c'est sur le sexe. C'est sur votre sexe. Il n'y a pas autre chose que Dieu a enseigné. C'était dans le sexe. Donc un peuple fier, je peux dire solide, spirituellement, c'est un peuple qui respecte ça. Tout l'évangile, vous allez comprendre tout. La base, c'est le sexe. Bon, c'est pas pour ça qu'on fait, on parle de... Ça, là, je voulais parler un peu des initiations, mais c'est pas important. Donc, les pyramides sont déjà disponibles. J'ai envoyé 7 à Libreville, au Gabon. La dame, elle-même, elle a pris 2. Elle dit, même si ça vaut son salaire, elle préfère. Donc, elle a pris 2. Et ces pyramides viennent directement d'Égypte. Vous savez, j'étais là-bas, j'ai fait quelques jours. Voilà. Ça vient directement. Et ça tellement que ça pèse. Ce que tu veux écrire là, tu vas écrire. C'est balèze comme ça. Attendez, je vais montrer un échantillon. Quand je parle de mon père, vous allez croire qu'on est là pour faire. Vous allez croire qu'on est là pour faire. Vous allez croire qu'on Voilà, regardez la différence. Vous voyez? Maintenant, et ça? Voilà, petit de ça là. Ça là, au moins, c'est pas moins de 2 kilos.
Ça là, c'est au moins 1 kilo. Regardez. Voilà petit là. Voilà balèze de ça. C'est ça qui est comment on appelle au Gabon actuellement. J'ai envoyé 4 à Ogré. Votre fille Ogré poulie, mal poulie là. Actuellement, elle est très poulie. Elle est très poulie. J'ai envoyé 4. C'est 4 ou 5. Je crois 4. Hein. Pas plus. Je ne peux pas faire autrement. C'est pas beaucoup. Donc, c'est un peu. Sans vous mentir, ça vaut le prix d'un salaire. Donc, en demandant là, il faut avoir jeton. Mais la Suisse, ce que ça va te donner là, non, dors tranquille. Ça, voilà ça. Vous avez vu comment c'est. Donc, c'est au moins 5 fois ça. Voilà la différence. Voilà. Si tu as ça chez toi, tu as gagné. La dame a pris 2. Connaisseur connaît, Gaou voit, il passe. Prends ton argent pour mettre dans les mecs, copier les derniers mecs là. Tu seras la dernière de ta classe. Voilà. Dans ton quartier là, tu seras lourd. La dernière. Bon, laissez-moi aller mettre ça en place parce que j'avais mis ça pour un travail. Hein? À cause de où j'ai amené. Voilà. J'ai remis les choses en place. Maintenant, je viens maintenant dialogue direct. Voilà. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, c'est déjà disponible. Ogré en a 4. Ogré m'a dit, papa, envoie-moi mon petit. J'ai dit, je ne peux pas, ma fille. Tu sais, je ne te refuse rien, mais je ne peux pas. Prends d'abord ça. Hein? Voilà. Donc, le Togo, je crois qu'il y en a déjà au Bénin aussi. Mais je vais tout faire pour envoyer au moins 2 ou 3 d'ici la semaine prochaine au Congo-Brazzaville. Bon, le Burkina Faso, comme maman Marie n'est pas là, notre mère du Burkina Faso, c'est ça qui me fatigue beaucoup. Vous savez, quand tu es habitué à manger chez quelqu'un, tu vas dans un restaurant, quand du coup on dit que non, le restaurant est fermé, voilà, tu vois, ça fatigue un peu. Donc, l'ensemble Yod est disponible. L'ensemble dont tu n'es pas là, l'ensemble Yod, l'ensemble qui chasse toute négativité, tout ça là, c'est déjà là. Tout est en place au Burkina. Tout est là-bas, comment on appelle, au Gabon, c'est versé. Voilà, pour des raisons, la soeur Elsa est empêchée, voilà, elle a eu deuil, donc il y a une nouvelle représentante pour le Gabon, vous pouvez la contacter si vous êtes dans le besoin, le savon spirituel contre la sorcellerie, tout et tout. Voilà, c'est là-bas. Donc, elle pourra vous ravitailler sans problème. Voilà, elle est disponible. Mais c'est vrai qu'elle est très, très, très occupée. Mais elle se bat pour pouvoir, n'est-ce pas, vous satisfaire sur rendez-vous. Parce qu'elle est occupée. Elle travaille et en plein temps. Donc, c'est des heures de pause où elle peut vous livrer. Mais son numéro pour la joindre, c'est le 00241-06-16-17-42. Voilà le numéro. Et je voudrais... Au nom de tous les abonnés de Libreville, du Gabon, adresser les condoléances les plus attristées à la sœur Elsa qui est vraiment qui traverse des moments difficiles. Voilà pourquoi depuis un certain temps, elle n'était pas joignable. Voilà. Déjà, même au niveau de Paris, de France, de la France, voilà, nos deux représentantes ont le savon, ont tout. Il y a tout là-bas. Donc, vous pouvez les contacter. Pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et il y a aussi l'ensemble B-52. Comprenez le nom, B-52, c'est les missiles que les Américains envoient. Donc, c'est quand tu utilises ça sous forme de fumigation, la magie de B-52, c'est la magie de l'ensemble. Il y a à peu près 48 éléments. Je ne parle plus. Ça là, c'est comme si je fais publicité alors que je ne suis pas là pour la publicité. Donc, il y a ces choses-là. Je voudrais aussi vous annoncer que je serai au Togo. Entre le 20, dans le mois courant, le mois de novembre,
J'irai au Togo, saluer le peuple togolais pour dire vraiment, portez-vous bien, merci. Je ne pars pas là-bas faire cette année. Hein. Je viens qu'on se salue, qu'on se regarde. Voilà, j'ai vu Christiane au Bénin, c'était pour juste une heure et ce qui n'est pas bien. Donc je vais faire entre 3, 4, 5 jours au Togo. Voilà, je voudrais donc voir les Tonkou, les Adebayo, les Akissi, voilà, ce peuple togolais. Manger un peu ils ont un plat là, à base de maïs là. Voilà, le foutu à base de maïs là, manger ça. Eh Dieu, mais j'ai pas fini de visiter ça, il m'a fait pas nouveau. Tout goût, la richesse qui est là-bas, c'est versé. Après, ça m'a mis au Rwanda. Je suis un Africain. Il faut qu'on lève même ces histoires de visa là. C'est mon chaque jour là, je peux quitter. J'étais dans la Côte d'Ivoire. Oh, c'était caché. Non, Ivoirien, non. C'était chaud. Non, oh, vraiment. Ça me manque. Tout ça me manque. Bon, amis miens d'ici d'ailleurs, pour les livres dont je vous avais parlé de Madame Aurélie, d'ici 2-3 jours, c'est déjà disponible au Abidjan, au Togo, Bénin, bientôt. Hein? D'ici 2-3 jours, vous pourrez, n'est-ce pas, avoir ce livre. Alors, il y a une dame qui m'a dit, Papa Emmanuel, vraiment, Papa Emmanuel, il ne fallait pas nous parler de ce livre. Parce que quand j'ai fini de lire le livre, je me suis mise à pleurer. Ça parle de la sorcellerie d'une façon bizarre. Allez lire le livre là. Pardon. Je ne peux pas vous conseiller quelque chose qui n'est pas bien. Allez lire le livre là. C'est pas cher. Tu vas rester dire oui. Peut-être ton problème là. Tu vas voir que ton problème est petit. Donc, ami Mien Dissé, d'ailleurs, je voudrais également rappeler les uns les autres que les pierres sont disponibles. Les bracelets tourmaline, composés de la tourmaline, de l'œil de tigre. Et de la turquoise bleue, ces bracelets sont disponibles. Il y a aussi les bracelets de l'œil céleste. Je vais envoyer également ça au Congo, Congo Brazzaville, chez notre soeur Ariane. Hein? Voilà. Pas beaucoup, même si c'est 5. On ne donne pas pour le grand nombre, non, non. On donne aux initiés. Voilà. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, voilà un peu tout ce que nous pouvons vous donner comme information. Et je voudrais saluer au passage ce papa qui est venu prendre, je crois, 6 bracelets. Et il n'a pas regretté de les avoir pris. Donc, lui-même son témoignage, si on doit parler de témoignage, on ne va pas finir ici. Donc, souvent vous êtes face à un dilemme. Hein? Quand Dieu ouvre les écluses du ciel, il peut arriver des moments où vous avez formulé des demandes d'emploi dans plusieurs compagnies. Au même moment, toutes ces compagnies-là vous donnent une suite favorable. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller où? Alors, je le dis pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui m'a contacté d'Italie. Elle me dit, papa, je suis bouleversé, je ne sais quoi faire, je ne sais comment choisir. Mais comme j'étais tellement inquiète, j'étais, j'ai dit, ah, mais mon papa est là. Les choses comme ça, là, il est là-haut. Parce que souvent, nous avons opéré des mauvais choix qui nous ont porté d'énormes dégâts sentimentaux, des dégâts émotionnels, des dégâts financiers. Tu ne devais pas être là-bas, mais tu te retrouves parce que tu as mal choisi. Parfois, même on te conseille mal. Non, il faut aller là-bas, c'est bon, va plutôt aux États-Unis. Non, ce n'est pas tous ceux qui sont partis aux États-Unis qui ont reçu. Ça, c'est vrai. Parce que ce n'est pas le pays où couleront le miel. Le miel et le lait pour ces gens-là. Donc, la vie là, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Maintenant, quand tu as évolué, Dieu t'a fait grâce. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Maintenant, on va commencer à te donner de ces faux trucs. Le monsieur, là, comme tu vois, il porte trop des bijoux sur lui, là. Regarde tout ce qu'il porte, là. C'est un franc-maçon. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il n'y a pas d'autre chose. L'ignorance fait que tu dis à quelqu'un que non, ce soir-là, je vais aller boire un coca, un jus quelque part, où le jus coûte 5 000. Ça existe. Non, 5 000. Mais au quartier, là-bas, le montagnier, le boutiquier, là, il vend ça à 250. C'est pas le même jus, là. Oui, c'est le même jus. Mais je vais aller boire ça là-bas à 5 000, la bouteille. Mais mon frère, non, lui là, sa vie là, non, c'est un secteur, il a crampé. Mais il oublie que 5 000, je m'en vais prendre un jus, quelque part.
L'environnement, même s'il y a rafle, on ne vient pas me rafler là-bas. Même sans pièce d'identité, on ne me rafle pas. C'est très important. Mais l'ignorant va te dire que ce n'est pas possible. Lui calcule que non, avec 5 000, il peut acheter deux casiers. Et c'est vrai. Mais il oublie que dans les 5 000, je donne là. J'ai d'abord un bon cadre, le climatiseur là, et on me parle avec respect. Monsieur, bonjour. On peut vous débarrasser la table. C'est toi qui donnes les ordres. Dans les 5 000. À côté de toi, tu peux voir l'enfant des ministres. Tous ceux qui sont là aussi te respectent comme tu les respectes. Alors qu'après, tu vas prendre moto. Tu vas me faire marcher pour rentrer chez toi. Ah oui! Il faut se faire violence à des moments. Là où le palais présidentiel. J'ai toujours dit aux gens, nous avons reçu en aventure, pas parce que nous étions très forts. Hein. Tout simplement parce qu'on a compris le code. Que la vie là, il y a des lois. Les lois d'attraction. Moi, dans mon cherchement, je n'ai jamais habité, étant en étranger. Dans l'aventure, je n'ai jamais habité dans un quartier pauvre. Je loue maison où je dois être le voisin du ministre, le voisin d'un général d'armée, le voisin d'un directeur de ceci, dans un quartier résidentiel. Parce que pour moi, on va sortir dedans. D'abord, je suis sécurisé. Donc, il y a tout ça. Maintenant, tu sors, tu vas en aventure pour aller vivre. Va au, là où les Champs-Élysées, là. Va chercher ta maison là-bas, tu vas rester. Tu vas me dire dans 6 mois comment les choses. L'odeur même de l'argent, on dit les lois, les lois, les lois. Je vais vous parler des lois. D'attraction. Comme tu es à côté des milliardaires, l'attraction, l'argent, le milliard qui est là-bas, là, va te tout. Même si c'est 1 million, c'est beaucoup pour toi. Maintenant, tu sors d'un quartier pauvre, de ton pays pauvre, pour aller en aventure vivre dans un quartier pauvre. Je doute de ton avenir dans ce quartier-là. Quitte là-bas, ce n'est pas ta place. Parfois, il faut dire. Quand le réseau manque, parfois, il faut se déplacer. Déplace-toi. Quitte là-bas pour avoir le bon réseau. Brise les chaînes. Les amis Glo-Glo, là, les amis qui, même Moro, ils n'ont pas... ouais. Oh, même Moro, ils n'ont pas dans leur position. Il faut quitter, il faut les quitter. Tu n'aimes pas, tu ne laisses pas. Voilà. On va pas... Oh, je suis à Jaï. Tu pourrais même prendre tout ce dire. Après, ils doivent faire le sport. C'est très important, même bien d'ici d'ailleurs. C'est vrai que la vie, avec toutes ses facettes, ses charges, ne nous donne pas le lait. Mais Dieu a tout créé. Parfois, quand vous avez des problèmes de sang, hein, le sang vous manque, il y a un fruit qu'on appelle betterave. Même quand tu prends ça, là, tu mets là, c'est le sang même. C'est un antioxydant d'une puissance incroyable. Faites de ça votre jus. Les concombres, faites de ça de vos jus. Laissez vos, les jus, tout ce qu'on a. Dieu n'a pas créé tout ça. Tout ce que vous voyez, les jus, on dit non, c'est bon là. Tout ça là, c'est des trucs toxiques. Dieu a pensé que pour te rafraîchir, tu as besoin d'un jus. Et ces jus sont des jus réparateurs adaptés à ce qu'il a créé. C'est comme quelqu'un qui a créé un portable iPhone. Son chargeur est là. Toi, tu vas laisser le chargeur de iPhone pour aller prendre. Non, tu te détruis, tu te crées les problèmes. Donc, ayez ça dans votre menu du jour. Hein? Madame va au marché, hein? Elle va acheter les, comment on appelle là? La betterave, ça ne coûte pas cher. Quand je vous dis ça, même c'est 5 000. Ici, là, c'est versé, on a poids. Parfois, même ça pourrit, on demande. Pardon, monsieur, prenez, ramassez, vous partez avec. Tu prends ça, tu enlèves la peau. Tu découpes ça morceau. Tu prends peut-être 1 ou 2 doigts de banane. Banane mûre, bien mûre. Là. Tu enlèves la peau, tu découpes, tu mets 1 litre ou bien 2 millilitres dans le mixeur, tu mets tout ça là, tu mixes. Et après ça, tu filtres. Fais de ça ton jus. Tu vas voir. Ça te donne tout. Et en plus, c'est un goût sucré, le vrai sucre. Pas le sucre qu'on met 33 morceaux de sucre dans un jus. C'est ça qu'on boit. Pendant même qu'ils boivent 2 bouteilles de jus par jour. Après ça, tu as que tu as diabète, tu as ceci, tu as un problème de santé. Mais non, tu as tout créé. Et surtout quand tu as déjà pris tes 50 ans, là, le virage de 50 ans, là, quand tu es déjà comme ça, des balles, non, il faut chercher à prendre tout ce qui est naturel. C'est très important. Tu te lèves le matin, vous voyez, ça c'est le coup de girofle. Vous voyez, j'ai mon petit thermos. Merci. C'est ma fille à Zopé qui m'a donné. J'étais à Zopé dernièrement, c'est elle qui m'a donné ça comme cadeau. Elle dit, papa, c'est bon pour toi. Hein? Voilà, je mets de l'eau, c'est la première des choses, hein? De l'eau chaude que je bois. Les gens me voient, mais toi tu ne vieillis pas, mais comment je vais vieillir, hein? Je ne peux pas vieillir comme ça, je ne vais pas dans les boîtes de nuit danser, non, je ne fume pas, je ne bois pas. Hein?
Ah, donc, amis bien d'ici d'ailleurs, connectez-vous à la divine nature, vous ne serez jamais déçu. Donc, c'est très important. Face à un dilemme, ne vous fatiguez plus. Donc, ma fille qui est en Italie, tu as eu au même moment deux propositions d'emploi pour Luxembourg et pour le Canada. Il y a encore quelques pays là, elle m'a dit, pour la France, je crois. Donc, je t'ai dit, je vais te donner la recette. C'est même à cause de toi, je fais direct. Hein? Voilà, c'est trop facile. Ne vous fatiguez pas. C'est pour face à un dilemme. C'est différent de savoir l'avenir amoureux. Peut-être dans une relation, pour un homme, tu veux épouser un homme. Quel est l'homme le bon? Mais là, tu as face à un dilemme. Je ne sais lequel choisir. Dieu a tout créé. Tu vas prendre un verre. Un verre comme ça là, mais plus gros. Même si c'est une carafe, un verre un peu plus large, tu mets de l'eau dedans. Tu vas prendre le charbon africain, le charbon qu'on voit 500 francs et tout. Là. Tu prends deux morceaux. Sur le premier charbon, il faut identifier. Comme c'est Luxembourg, hein, ferme une marque, tu mets sur ça L, Luxembourg. L'autre, c'est le Canada. Deuxième morceau de tout là, tu mets le C. Maintenant, tu prends de l'eau, tu mets dans le verre. Un verre un peu plus grand, quoi. Hein, plus grand. Tu mets de l'eau et tu prends les deux morceaux. Tu formules les vœux. Que, ah, je fais ce rituel pour savoir lequel, hein, laquelle des deux propositions va m'arranger. Hein, la proposition qui m'arrange, qui est bien pour moi. Voilà, tu prends, tu mets et tu viens. C'est pourquoi je vous dis toujours, il y a deux choses. Les deux choses les plus importantes dans la vie d'un homme, dans la maison d'un homme, il y a sa table à manger et son lit. C'est pourquoi c'est écrit, ton lit conjugal sera exempt de toute souillure. Le lit sur lequel tu, là où tu dors, je vais faire le mystère, je vais faire un direct. J'avais fait un direct sur le lit et le sel. Ça m'a valu 1 million de directs. Après, j'ai eu des appels. C'est ça qui me fait peur. Sinon, j'ai des dossiers dangereux, des sujets trop dangereux. Le lit, c'est le véritable temple. C'est ton temple. Dans certaines coutumes africaines, un homme comme moi, déjà marié, ou bien je suis déjà comme je suis là, ma propre mère ne peut pas venir s'asseoir sur mon lit. Ça vous dit rien? Quand on dit maman, même entrer dans ma chambre, la chambre conjugale, je dis ma maman, sauf en cas de force majeure. Ce n'est pas un fait de hasard. Le lit sur lequel tu as, hein, ta mère n'a pas le droit de venir s'asseoir dessus. Même ton père. Ce n'est que ta femme. Donc le lit, on ne parle pas de lit, de ceci, l'acheter, non. Ben ouais, le cœur, bon, je laisse le dire. C'est quoi? Non, c'est bon. Bon, on va continuer le soir. Ben, quand je suis inspiré comme ça, je ne vois même pas le cœur, rien. Mignon Mohamed, il n'y a pas de cœur. C'est quoi? On dirait que les gens me signalent les directs. Le cœur, là, vous faites quoi avec? Hein? Quand il fallait de faire des mecs comme la vôtre. Non, les champions, non, vous avez fini avec mon cœur. Hein, vous voyez? Ça, c'est le feu d'Iso. Ça ne doit pas vous manquer, ami mien d'ici d'ailleurs. Là, j'ai reposé dans ma... Non, tu ne peux pas. Ce qui est négatif, n'en pas. Tu ne peux pas. Hein, voilà, frère, disons là. Ça va sécher, je vais brûler. Ah oui, c'est là, je vais... Mais si tu es négatif, tu n'en pas. Tu vois, en fait, tu vois comment ça te secoue. Voilà, voyez le cœur. Ah, là, comme ça, je suis inspiré. Donc, comme je disais tantôt, sous votre lit, débarrassez votre lit. Les vieilles chaussures, ce n'est pas à leur place. Le lit, votre lit, c'est votre temple. Parce que bon nombre de choses se passent quand vous dormez. Bon nombre de choses. Les attaques nocturnes, les nuits agitées, manger dans la nuit, forniquer, les couches de nuit, les ceci, les sorties astrales, tout ça, c'est de la nuit. Sur quoi? Sur votre lit. Donc, occupe-toi de ton lit. Comme la prunelle de tes yeux. Mais si en bas du lit, on trouve les vieilles casseroles, parce que l'Africain n'a pas... L'Africain n'aime pas donner. Tu vois, il y a des gens qui ont les habits, il a 20 ans, non pas 20, il a 40 ans aujourd'hui, il a encore les pantalons quand il avait 20 ans.
Donc, il a des habits, ça date de 20 ans. Ça est là. Parce qu'il ne veut pas partager, il ne veut pas donner. L'Africain est conservé. Pas tous. Mais ceux-là qui ne sont pas encore initiés, apprenez à donner, qui donne reçoit. Donc, débarrassez de votre, en bas de votre lit, de tout ça. Ça doit être propre. Chaque semaine, vous devez même être en mesure d'entrer. En bas de votre lit, là, vous nettoyez, vous enlevez toutes les poussières. Et puis, chaque semaine, bon nombre même de vos nuits agitées, de vos attaques proviennent de l'état, hein, de pollution de votre lit. Hein? Sur un lit où tu as forniqué un gros célibataire, tu as pris Chantal l'autre jour, elle est venue dormir sur le lit. En partant, même ses règles ont commencé. Pam! Il y a quelques gouttes de sang qui sont tombées là. Bon, pour toi, c'est facile, hein, tu as lavé. Le matelas même, ça porte ça. Pour toi, bon, c'est facile. Demain, tu vas voir Yvette. Hein, Yvette aussi va venir. Elle a dormi, elle bave. Elle a dormi, peut-être elle accouche de nuit. Dans la nuit maintenant, elle accouche de nuit. C'est versé sur ton lit. Mais comment toi, dormant sur un lit pareil, tes affaires peuvent prospérer? C'est difficile. Maintenant, lorsqu'année, je parle de ça à un gars, je dis, mais ton lit là, c'est pourri, toi tu n'es pas sérieux, tu as une vie amoureuse volage. Il dit, c'est quoi volage? Il dit, mais comme l'oiseau là, tu tires partout. Il dit, ah le vieux, qui t'a dit ça? Il dit, mais. Mais n'est-ce pas, tu as dit, tu veux faire un scanner? C'est ton scanner qui me dit, est-ce que c'est moi? Oui, donc votre lit. C'est pourquoi quand la femme envoie déjà un amant sur le lit, Makabozali bourreau, c'est dangereux. Le lit conjugal, c'est que tu as. C'est-à-dire, si ça vous arrive, dis à madame, tu m'as gagné, tu es plus fort que moi, signons le divorce, pardon. Tu lui abandonnes même la maison. Votre lit, vous ne devez pas vous amuser avec. Votre lit. Et maintenant, votre table à manger. On ne met pas les chapeaux sur la table à manger. Même le portable, quand tu manges, c'est comme tu es en train de prier. C'est pourquoi quand quelqu'un mange, dit, ah, je m'excuse, hein, vous êtes en train de manger. La bouche qui mange ne parle pas. Et quand tu es sur le lit, en train de... Il n'y a pas de téléphone, ça ne parle pas. Il y en a même qui sont sur leur femme, il est encore portable. Oui, mais je t'ai dit de déposer les deux colis là-bas. C'est quoi ça là? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Ta table à manger. Il y en a même qui s'assèchent sur leur table à manger. Avant de communiquer, oui, les jeunes y ont là. On dit quoi? Mais non. Tu te crées les difficultés. Tu crées des problèmes toi-même. Les deux. C'est pourquoi quand on déménage, la première des choses que tu dois mettre chez toi, c'est ta table à manger. Tout peut manquer dans la maison sauf la table à manger. Bon, c'est un passage. Comme je disais, parce qu'il faut que j'explique. Si le bas de ton lit là n'est pas propre, ne t'attends pas à grand chose. Donc le bas doit être propre. En bas de ton lit, la propre. Tu mets dans le verre, comme je l'ai dit. Luxembourg, c'est elle. Fais tout. Même si tu peux prendre quelque chose. Hein? En tout cas, un indice. Sur un morceau, tu peux casser l'eau. Tu sais que bon, le bois, c'est le charbon, si je l'ai cassé. Ça, lui, c'est Luxembourg. L'autre, c'est Canada. Tu mets ça dans le verre, dans l'eau, et tu formules tes voeux. Tu laisses et tu dors. Demain matin, va prendre le même verre. Le même verre, là, va prendre. Le bon choix. Le charbon qui est en haut, parce que les deux, il y aura un qui sera en bas et un autre sera en haut. Celui qui est en haut, là, tu regardes, si c'est Canada, va choisir. Même si le salaire est à 2000 francs, si le salaire est moins que celui de Luxembourg, va là où il y a le Canada. Dieu t'a déjà parlé. Tout a été créé. Alors, comme je disais, nous sommes en lune décroissante. Depuis hier, ceux qui sont des élus et qui ont fait le bain, j'ai reçu plein de témoignages. C'est ça, je ne peux pas vous faire. On n'a pas assez de temps pour parler de ça. Il est déjà 9h, je dois aller faire le sport. J'ai une heure de sport. Voilà, il est 9h, mais je vais parler. Je vais encore parler peut-être pour quelques minutes. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, la lune décroissante est la meilleure. C'est la période idéale pour enlever tout ce qui est négatif. Il y a des gens qui ne savent même pas que la lune existe. Et ils savent que la lune existe dans leur poésie d'amour. Oh, tu es belle comme la lune. C'est tout. Mais lune là, ça ne leur dit rien. Le reste, ils s'en foutent. Donc, comme je vous le dis, depuis hier, nous sommes en lune décroissante. Et c'est pour 7 jours. Donc, la lune était pleine. La plénitude est finie. 7 jours, je crois que c'était vendredi. Depuis hier, là, la lune commence à décroître. Ça veut dire qu'elle se décharge. Donc, décroître veut dire baisser.
la visibilité baisse. Ça baisse et après jusqu'à ça va devenir 0%. 0%. Maintenant, les camps des 7 jours de la lune décroissante finiront. Maintenant, on va avoir maintenant la nouvelle lune. C'est ça, on dit la nouvelle lune. Ça commence maintenant à charger. Ça commence maintenant à charger. Ça commence à charger au fur et à mesure. Ça charge, ça charge, ça charge. Voilà, je fais donc le direct pour vous éclairer, pour vous dire toutes ces choses-là. L'ami m'a dit c'est d'ailleurs. Donc, hier, chaque fois que je vous annonce que la lune est décroissante, il y a un élément très fondamental dans votre vie. Dans votre vie spirituelle qui ne doit pas vous manquer, le sel. C'est pour ça qu'il est moins cher. Il y a le sel gros grain, il y a le sel. C'est comme on a passeport, il y a passeport et passeport, il y a passeport ordinaire, il y a passeport diplomatique. Voilà, les deux servent à voyager, mais ils n'ont pas même valeur. Donc le sel simple, le sel gros grain, vous ne devrez pas. Quand on vous dit que c'est la lune décroissante, tu n'as pas l'argent, prends même le citron, tu coupes, tu mets dans un seau, tu prends le sel, tu mets. Tout privilégié surtout, c'est comme la. Pour ceux qui reçoivent le kit là, il y a une poudre, on a écrit poudre de désenvoûtement en lune décroissante. Cette poudre, dedans il y a le sel. Et je crois qu'il y a 6 éléments. Il y a la lavande dedans, il y a la verveine dedans, il y a la sauge dedans, il y a le sel gros grain dedans, en poudre, bien écrasé. Il y a encore quoi bon, la liste au bureau. Donc, quand tu te nettoies avec, tu prends ton bain avec. Non. 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 Donc, depuis hier, les élus ont eu cette recette. Hein? Ces deux recettes vont changer radicalement votre vie. Utilisez le sel gemme, le sel gourgant. Pour ceux des retardataires, vous pouvez commencer ce soir. Et prochainement, abonnez-vous à ma page. Hein? Cette page, déjà à 5000 abonnés. On ne fait pas publicité des abonnés. C'est chacun qui vient, qui clique, dit non, la page, c'est le monsieur. Ce qu'on dit là, les choses qu'on le dirait ici, là, c'est sérieux. Toi-même, tu aimes. Je ne fais pas publicité de ça. Après, j'avais une première page de plus de 20 000 abonnés. Les enfants ont pris ça. Donc, j'ai fermé la page. Donc, doucement, doucement. Mais dans ça aussi, il y a des fausses pages. Des gens qui ont créé des fausses pages. Regardez le nombre d'abonnés. Si vous n'êtes pas, la page n'a pas 5000 abonnés. Là où vous êtes, même si vous êtes 200, 300, c'est des brouteurs. Vous êtes au mauvais endroit. Ce n'est pas Manu de la vie qui est là-bas. Et mon numéro WhatsApp, le principal, où vous pouvez m'appeler comme vous voulez, c'est le 00237 671 34 09 97. Il n'y a pas, il y a un deuxième numéro qui est un numéro alternatif. C'est à cause de ça que j'ai clos le problème aujourd'hui. Parce que j'avais deux portables voisins et je ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Il y en a, je causais sur le numéro secondaire et il y en a sur le numéro principal. Et comme je dois avantager le numéro principal, j'ai délaissé le numéro alternatif. Et du coup, les scanners font des 6 mois, les 1 an, etc. Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui que j'ai 1500, 1200 messages non lus. Parce que je me mets à suivre deux lièvres à la fois. Et c'est voilà les premières erreurs que j'ai d'abord eu à accumuler. Il faut avoir un numéro WhatsApp où tout le monde est dedans. Voilà, quand elle t'écrit, voilà. Après, même une souris est venue avaler ce portable. Je vous l'avais dit. Le portable avait été avalé par une souris. Mais elle est morte. J'ai récupéré le portable. Quelques jours après. Mais entre-temps, je devais être joignable. Voilà pourquoi vous voyez ces choses ont traîné. Ce n'est pas que je le fais volontairement. Sinon, depuis quelques temps, au cours scanner dure ces 2 semaines. Je libère. 2 semaines au cours, je libère. Donc, amis miens d'ici, d'ailleurs, soutenez-nous. Donc, nous sommes déjà en lune décroissante. Faites-le, utilisez le sel gros grain avec le citron, si vous pouvez. Vous coupez un citron vert ou bien 2 citrons, ça dépend de vos 3 citrons. Vous pressez, vous mettez dans de l'eau, hein, et vous ajoutez le sel gros grain, hein, vous vous lavez avec. Voilà, même vos enfants malades, profitez. C'est la période où vous devez, même si c'est comment, lave ton enfant. Si c'est un garçon, fais le bain pendant 3 jours. Si c'est une fille, fais le bain pendant 4 jours. Profitez toujours de la période de la lune décroissante. C'est le moment même pour purifier la maison. Vous lavez la maison. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour vous aider à vous débarrasser de ces entités négatives. Parce que plus ça reste, et plus ça vous fatigue. Et il y a aussi...
l'encens yod avec le sel gros grain. Oh, oh. Il y en a même, ça ne les a pas laissés. Hein. Au même moment, tu as mis, tu vois le sel, ça commence, le feu commence à crépiter. Oui, c'est des signes qui montrent que la maison est chargée négativement. Dieu a tout créé. Tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tout pouvoir nous a été donné. C'est notre ignorance qui nous fait croire que le pouvoir est ailleurs. Le pouvoir est dans vos mains. Parce que lui-même le dit, je vous ai créé à mon image. Nous sommes des dieux. C'est nous qui inventons les avions. Ce n'est pas Dieu qui a créé. C'est parce que Dieu en nous, parce que nous sommes des dieux que nous avons créé le portable. Moi, voilà, tu es aux États-Unis, tu es en train de me voir en direct. C'est Dieu. Parce que nous sommes des dieux. C'est dans ça que tout se passe. Donc, ami bien dit, c'est d'ailleurs, je vous dis merci. Dieu aidant, à la fin de ce mois, nous allons visiter deux orphelinats. Nous allons faire un important don, vraiment un véritable don. S'il y a des orphelinats, parce que aller toujours dans les mêmes orphelinats, c'est comme si on a délaissé tout. Si vous êtes dans la ville de Douala, et si vous êtes proche d'un orphelinat, je vous en prie, après le direct, vous me contactez sur mon WhatsApp, et comme ça, on va organiser ça. Il faut aller, parce qu'il y en a qui pleurent que d'autres. Voilà, il faut aller faire les dons. C'est pour vous, hein, c'est pour moi, pour vous. On va faire les dons. Donner, qui donne reçoit, c'est la loi. On n'a pas dit de donner un ou de donner deux. Donne seulement. Voilà. Si tu peux donner un pain, donne. Celui qui peut donner 50 pains, donne. Donne. Parce que le donner précède le recevoir. Je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont point bâti. Quand Dieu dit je te donne, ça veut dire que tu lui as aussi donné. C'est tout. Voilà le mystère. Cette dame a appliqué. Elle a dit une voiture de 30 millions qu'on t'offre avec chauffeur et le carburant. Pour que chaque matin, maintenant, c'est avec ça, on va faire les courses de ton enfant. Oui, ça se passe aux États-Unis. J'aime des pays développés parce qu'il y a des normes. Là-bas, un milliardaire peut décider comme ça, il change la vie d'un million de personnes. Mais ici, chez nous, nous avons tellement de richesses. Mais on ne sait pas donner. Et maintenant, quand tu donnes, tu deviens l'ennemi du peuple. Tu deviens l'ennemi de ceux qui reçoivent ton don. J'aime les pays normalisés, des pays où il y a des normes. Quand tu as l'argent, tu respectes. Tu n'as pas l'argent, tu respectes. Le pauvre a sa place, le riche a sa place. Mais dans des pays où on ne sait pas qui est riche, qui est pauvre, tout est jus, tout est sauvagerie, tout est jalousie, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Il y a le spirituel manque. Le spirituel manque. Donc, amis bien disaient d'ailleurs, même quand on dit qu'ils ont des gros secteurs, les grandes secteurs, les loges, là-bas aussi, ils ont des grands, grands, grands croyants, des grands, grands donateurs. Ah oui, il faut dire la vérité. Voilà. C'est tout à fait normal. Donc, c'est un peu différent de cette verset, comment, hein, face à un dilemme, comment le choix, c'est différent d'un avenir, de prédire un avenir amoureux. C'est vraiment différent. Donc, un avenir amoureux pour le prédire, là. Il y a des pommes, hein, la pomme de France rouge. Voilà, vous pouvez, à partir de ça, savoir si la relation sera radieuse, si sera bonne ou mauvaise, avec X ou avec Y. Vous voyez, donc, en prenant, en consommant une pomme, c'est différent. Il y a même les feuilles de basilic qui peuvent, n'est-ce pas, prédire votre relation. Nos parents n'envoyaient pas leurs enfants en mariage sans toutefois consulter les oracles. Maintenant, quand tu venais, l'oracle pouvait utiliser des astuces que nous donnons. C'est comme la plante sensitive mimosa. Hein? C'est, les gens ont beaucoup utilisé ça. Hein? Les gens utilisent ça quand vous allez. La plante, quand tu touches, elle dort. On l'appelle bébé d'or. C'est une plante d'une puissance incroyable. Mais c'est versé dans la nature. Mais vous allez parfois chez les oies, c'est ça. On prend et font bouillir, ils prennent ça pour te laver avec. C'est ça. Vous voyez, Dieu a tout créé. Donc, nos parents ne faisaient pas ça. Ils n'envoyaient jamais les enfants à mariage sans toutefois savoir qui est. C'est comme j'ai des filles à travers le monde. Tu te maries à un homme alors que l'homme là couche avec sa propre mère. Du coup, tu as deux maris. Le mari physique qui va te combattre parce qu'il est sous les ordres de sa maman, qui est également sa femme, pour des raisons bizarres de sorcellerie. Alors que si tu avais consulté les oracles, on allait te dire que la relation n'est pas bonne. Ton avenir n'est pas dedans. Ton bonheur ne se trouve pas dans ces relations. Mais tu regardes, non, c'est un Bengui qui vit aux États-Unis. C'est pareil aussi avec les femmes.
Vous voyez que quand il est là, il a les moyens, il a un peu de tout, mais il est célibataire, il faut le comprendre. Hein? C'est parce qu'il a vu, il a déjà vu. Hein? Ah. Il a déjà vu goûter un peu. Les mauvais choix nous ont conduits dans des dégâts, des situations incroyables. Eh non, c'est le fils de tel, c'est l'enfant d'un ministre. Non, papa, non, c'est l'enfant du milliardaire. Mais qu'est-ce que tu sais? Cherche à voir si ton bonheur est dans cette relation. Hein? Cherche à voir si ton bonheur est dans la relation. Là. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ça, je suis d'accord. Eh non, c'est un pasteur. Eh oui, c'est un homme de Dieu. Lui là, il a la Bible. Mais derrière la Bible, là, on prend la Bible, derrière, il y a la drogue dedans, il y a des délits. Hein? Je connais un monsieur pasteur. Il prêche tout. Mais ce n'est pas pasteur qui a tué Ekoumémé là. Ekoumémé. Ce n'est pas un pasteur. Prendre le fer, faire repasser pour taper l'homme avec. Et il est pasteur. Hein? Le jour partait là, pour elle, non, elle a trouvé un homme de Dieu. C'est un pasteur. Et non, il ne peut pas. Non! Il faut aller chercher. Ce n'est pas parce qu'on dit que c'est Manu de la ville. Ah non, il parle bien, c'est un bon gars. Non! Si tu demandes à Maria, va vérifier. Parce que derrière ça, là, il peut avoir des choses. Peut-être dans ça, là, c'est un secteur que tu ne connais pas. Hein? Ça dit non, il a joué voiture. Non! Son père est riche, il allait bien. Ah, tu sais bien, tu sais, on a eu bien là. Comment maintenant, quand vous êtes déjà dedans, enfermé jusqu'à c'est là maintenant, papa Manou, il faut faire quelque chose. Papa Manou, ça va pas. Mais j'ai fait quoi? Je suis pas Dieu. Tout est au départ, comme cette femme qui dit ah, j'ai un père spirituel. Avant de faire n'importe quoi, il faut que je demande à mon papa, papa, j'ai trois propositions, je dois aller au Canada pour travailler. Si je dis oui, on me donne en même temps. Je m'en vais seulement signer. Il y a Luxembourg aussi qui me veut. Il y a la France qui me veut. Papa, je fais comment? Je dis, ma fille, attends. Voilà l'enfant qui suit les conseils. Mais là, c'est regardons, le Canada est trop développé. Hein? Ah, le Canada est mieux que la France. Hein? Non, même en Mauritanie. En Mauritanie, j'ai été rencontrer le chef tel là-bas. Un Camerounais. Il a des immeubles et des immeubles. Parce qu'on lui avait dit le jour sortait. Le pays où couleront le miel et le lait, c'est un pays désertique. Tous ses amis, moi, je suis un exemple. Tous mes amis d'enfants là, tous sont en Europe. Moi-même, visa m'a refusé jusqu'à, je ne sais pas si mon nom a fini. Alors que eux-mêmes qui sont là-bas, quand ils viennent, ils disent non. Mais c'est toi le big, c'est toi le big, c'est toi le boss. Hein? Maintenant, comme ils sont en Europe, si on sort là, c'est eux, on considère, il est dans la voiture. Mais moi, je suis là, vous voyez, c'est ça. Parce que nous, on a compris ça. Donc, pour te dire, là où tu es dans ton désert, si le désert là, c'est là ton pays où tu vas manger, il n'y a rien. Laisse les histoires. Parfois, c'est l'ignorance. Vous voyez? Maintenant, elle va faire le choix elle-même. Quand ça va, je dis, je m'engage. Ah, papa, là-bas, le salaire n'est pas bon. Tu auras ton bonheur là-bas. C'est ton bonheur que tu as. Voilà, c'est toi, Mimi, d'ici d'ailleurs. Voilà pourquoi je fais les directs, pour déchirer le voile de l'ignorance. Nous sommes passés, on est passé par là. On ne veut pas donner ça à nos progénitures, à nos enfants. Non, 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 non. Il faut leur enseigner. Le dimanche, comme ça, souvent, vous n'allez pas à la messe. Vous êtes avec les enfants pour dire aujourd'hui, c'est un cours d'éducation spirituelle. Il faut que je te parle. Avant que tu me vois là, avant de moi, je suis ton père là, il y a celui qui m'a mis au monde. Il faut le chercher. Avec celui-là, il y a ton grand-père. Il faut chercher cela. Mais papa, je fais comment? C'est en Afrique là-bas. Tu vas aller voir le crâne. Et papa, je fais quoi avec? Ils ne vont pas me tuer. Non! Tu vas aller prier pour eux. Pour dire, ah, reposez-vous en paix. Ah, papa, grand-père. Mes aïeux. Au même moment, je fais direct, j'ai les gouttes d'ail dans la bouche. Parfois, c'est un peu ça, j'ai avec les gens, la peau. Je mets toujours l'ail dans la bouche. Parce que parfois, tu parles à quelqu'un pour prendre ta voix pour aller faire ce qu'il y a. Non, avec l'ail dans la bouche. Il n'y a pas de souci. La voix est barricadée. C'est très important.
Oui, donc c'est ça. Là, tu l'amènes, il va aller voir. Donc, papa, donc ici, là, c'est ce qu'on appelle là, oui. Et c'est ici, on va m'enterrer. Toi aussi, on va t'enterrer ici. Ah! Mais papa, je suis dans l'eau. Oui, mais il y a le sang. C'est de ça, il est question. Hein? Tu as vu, non, le village, là, on ne te tue pas, hein, c'est ton village. Comme on les a dit, que là-bas, c'est les noirs, c'est les sorciers, le noir, c'est le sorcier. Ah, papa, on va dormir. Non, ils ne te feront rien. Il n'y a pas de sorcellerie dans le village. Il n'y a pas de sorcellerie. Au contraire, tu as la protection de tes ancêtres. Le Dieu de tes ancêtres. Il ne faut pas les oublier. Hein. Et demain, ça sera ton tour. Tu as vu que mon grand-père, ton grand-père était là, non? Il est mort, non? Moi aussi, je suis là maintenant. Je vais mourir. Et toi, maintenant, tu vas prendre tes enfants aussi. Ainsi, voilà la lignée. Mais donc, il ne faut pas que ça se casse dans ta main. Tu as compris, mon enfant? Oui, papa. Donc, chaque année, je peux venir. Oui, c'est pour toi. Quand tu viens là, ils te donnent les bénédictions. Hein? Tu pries pour eux. C'est ce que les blancs appellent... ils appellent ça quoi? C'est quoi là? Ils ont un nom des morts là. Un truc des morts où ils prient pour des morts. Où c'est un dimanche pour des morts là. Mais pourquoi ils font ça? Vous respecter. Maintenant, pour nous là, vous dites non. Pour nous, c'est satané. Hein? C'est quoi là? Ils ont fait des morts que les blancs célèbrent tout le temps. Là. Ils prennent les jets de fleurs, les pots de fleurs ou quoi, ils ne savent pas, pour aller mettre sur les tombes de leurs parents, de leurs pères, de leurs parents décédés. T'as un nom là, moi, comme ça ne m'intéresse pas, là, je ne peux pas retenir. Ma tête est trop chargée. Hein? Ah, Toussaint, la fête de Toussaint. C'est pourquoi. Et ils appellent ça Toussaint. Hein? Dans tous leurs ancêtres morts là sont des saints. C'est pour nous là qui n'est pas saint. Faut pas faire, vous parlez mal. Hein? Le réveil, nous on est réveillés. C'est déjà parti. Et là-bas ils appellent Halloween. Ou c'est Halloween ou Halloween ou quoi, Halloween, Malokama, Calaven ou c'est comme ça. Ils ont des noms tout bizarres là. Hein? Hein? Ah. Les grands-parents sont sorciers, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Mais tu vas te barricader. Même si les sorcières, c'est pas ça qui t'importe. Tu vas faire ta prière et tu quittes dedans. C'est tout. Donc, amis miens d'ici, donc avec la pomme, tu peux prévenir, tu peux prédire. Tu peux déjà savoir, ah, ma relation avec le monsieur là, ça sera bien ou ça sera pas bien. Voilà. Donc, même avec la pomme de foin, les pépins de sang. Si le nombre est pair, tu sauras. Si le nombre est pair, ça va te dire ce que ça va te dire. Et il y a même les feuilles de basilic. Voilà. Qu'on utilise toujours pour ça. Mais le direct d'aujourd'hui, ce n'était pas ça. Donc, je voudrais vous dire deux choses. Amis miens d'ici, d'ailleurs. Chaque fois qu'on vous annonce que la lune est décroissante, ne perdez plus la tête. Mettez dans la tête que tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pour enlever. Même ton enfant qui vient de naître. Est déjà apte à recevoir les missiles des sorciers. Surtout un enfant qui est né en 31. C'est-à-dire, je pouvais être chef d'État, tous les parents dont les enfants sont nés 31, premier ou 30, tout ça, je vais vous chicoter. Et maintenant, papa, c'est, on ne savait pas. Où. Maintenant, vous savez, vous faites quoi? Voilà. Donc, retournons aux sources, comme dire à Saint-Franquir Abaga. Voilà. Donc, amis miens d'ici, d'ailleurs, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Donc, les pyramides sont déjà là. Les pyramides sont déjà au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Voilà, donc c'est pas en quantité suffisante, hein. C'est pour des initiés, on ne donne pas ça à la masse, c'est ceux des initiés là, ce qu'on est sûr qu'on est. Donc la dame qui a pris deux, elle dit je préfère prendre deux et ne pas manger pendant 2 mois, parce que je sais ce qu'il y a dedans. Voilà, Julien Bangadi, que Dieu vous bénisse, Ourol Zaoul, Tanti Ayivi. Que Dieu vous bénisse aussi. Adé Clara Loué, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Heureux dimanche à vous. Voilà. Et profitez de la lune décroissante. Voilà. Pour faire des prières. Demandez à Dieu, au Dieu de vos ancêtres, de vous débarrasser de toutes ces énergies qui vous fatiguent. S'il y a n'importe quel blocage qui vous dérange,
faites-le, voilà, vous êtes dans la meilleure des périodes, voilà, le ciel est debout, le ciel est là pour vous, et ceux qui feront auront le résultat, ceux qui feront pas, la lune ne va pas retarder, hein, pour dire j'attends, elle avance, connaisseur connaît, et elle avance, ligne d'or, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, donc vous avez tout, ne paniquez plus face à un dilemme, le choix ou d'une belle maison ou de dans sur le domaine d'emploi de choisir tel homme, c'est ça aussi les blancs appellent la compatibilité amoureuse, parce qu'à partir de ton jour et ton mois de naissance, les deux, on peut savoir si vous deux là vous êtes faits pour vivre ensemble, vous voyez, voilà. Donc il y a quatre éléments, j'ai déjà fait des directs sur ça. Il y a l'élément air, voici l'air ici là, non, le feu plutôt. Le feu, c'est pourquoi, voilà, pourquoi la tête chauffe toujours. Ouais. Et les gens, les signes du bélier, leur problème, c'est ça, la tête. Ça chauffe fou. Et c'est les gens trop nerveux parce que la tête chauffe fou. Maintenant, quand ils sont encore dans une zone où il y a le désert, c'est encore grave. Voilà, très grave. Donc, l'air, le feu, autant pour moi, qui est le premier élément. L'air, le poumon, qui est ici au niveau, qui nous permet de respirer. Le deuxième. Et le troisième, c'est l'eau qui est dans notre ventre. Et le quatrième, la terre qui est en bas, les pieds. Vous voyez, c'est pourquoi, quand vous sortez de chez vous, sachez que vos empreintes, là, les pieds, quand vous marchez, là, barricadez. Il y a la poudre jaune qui est faite pour ça. Les poisons, on peut vous prendre par rapport à ça. Donc, les quatre éléments, là, il y en a qui sont des amis. Il y en a qui sont des ennemis. Les amis, là, c'est comme le feu, là. Son ami, là, c'est l'air. Son ami, là, c'est l'air. Donc, quand il y a le feu, maintenant, vous mettez de l'air, là. Le feu est content. Vous voyez, non? S'il y a l'air, maintenant tu mets le feu. Le feu aussi, l'air aussi est content. C'est comme ça un peu. Donc, on fait tout ça, le direct. Je fais le direct pour vous expliquer tout ça. Donc, il y a l'air et le feu. Ce sont des amis. Partout, il y a le feu là. Si tu mets l'air là, le feu est content. Ça continue, ça se propage, ça s'enflamme. Mais si tu envoies la terre, le feu va s'éteindre. Vous voyez la chimie? Donc, quand quelqu'un dessine feu, maintenant toi tu dessines terre. Ça sera compliqué de... Nous-mêmes, nous sommes passés par là, mes mères disaient d'ailleurs. Nous faisons les directs pour ne plus que nos enfants passent par là. Hein? Il y a ça déjà. Vous voyez? Maintenant, terre, lui, il a son ami préféré. Qui est quoi? L'eau. Partout, il y a la terre, il y a l'eau. Si tu vois la terre, là, il y a l'eau en bas. Donc, ce sont des grands amis. Donc, si la go là, est d'élément eau, moi, je suis une complicité incroyable. Vous voyez? Maintenant, la terre et le feu, ça brûle, ça chauffe. La terre ne veut pas laisser. Le feu aussi dit, je ne laisse pas. C'est ça. Oui, c'est ça, les blancs parlent de la compatibilité. Donc, toi et moi, là, on n'est pas compatibles. Donc, ne cherchons pas à forcer. Parce que tôt ou tard, il y aura le bambam. Bambam, quand tu chèles, là, c'est pas bon. Ok, amis, bien d'ici, d'ailleurs, portez-vous bien. Voilà, j'ai une paire de ciseaux. Je vais même faire un direct sur la paire de ciseaux. Comment un objet perdu, vous pouvez retrouver cet objet. Avec le ciseau, comment tu peux faire beaucoup de choses. Il y a tellement de trucs. Eh Dieu, où est le temps? Où est le temps? Je suis obligé de faire un direct le matin. Après, ça m'a fait le sport. Je suis président des associations. Je dois aller présider tout le dimanche. Là. Si tu m'appelles, je ne décroche pas. Il ne faut pas t'énerver. Donc, je jongle. Hein? Même quand je dors, je travaille. Vous voyez? Je dois intervenir dans les rêves. Les divins, les anges prennent mon visage pour aller faire le boulot. On dit non, la femme là, l'enfant si, il y a quelqu'un dans la vie là, hein, que si voit la personne dans le rêve là, elle n'aura pas peur. On prend mon visage. Ils prennent mon visage pour venir donner les médicaments, donner des ceci, les clés, les voitures, les ceci. C'est mon rôle, voilà ma part de souffrance sur la terre. Mais Dieu merci, ça commence à aller, ça va même très bien, parce que... vous êtes là, vous me soutenez, les bénédictions que vous m'envoyez, ça me va droit au cœur, les témoignages, c'est pour montrer que nous sommes sur le bon chemin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que je vais m'habituer à faire les directs très tôt le matin. Là, je suis plus libre, mais déjà après ça, là, c'est la catastrophe. C'est pas bon. Et surtout que j'ai des gens qui viendront, voilà, qui viendront visiter le centre, qui c'est pas vraiment évident. Vraiment. Excusez-moi pour les manquements. Je suis un homme comme vous. Je ne suis pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Hein? Tout ce qu'il fait est bon. Je suis un homme comme vous. J'ai mes égaux. J'aime le moi en moi. J'ai le moi. Je suis à votre image.
Voilà, je ne peux pas être parfait. Donc, je m'excuse. Je vous demande pardon pour tous ces manquements. Vraiment, je vais me corriger. C'est doucement, doucement. Mais par la grâce de Dieu, vous voyez, une sœur m'envoie, elle s'appelle Chloé. C'est une sœur, c'est une composition d'huile essentielle. Elle m'a dit, mais le monsieur là, il prend tout son temps à nous faire des directs gratuitement. Ça a même changé ma vie. Il faut que je lui envoie cette huile. C'est pour ma thrombose. Je la canne depuis plus d'un an. Vous voyez, elle m'envoie ça. Et depuis, j'ai vraiment, avec aussi les betteraves, tout ce que je bois là, et ça commence à aller, ça va. Le sport ajouté à ça, ça, vous voyez, c'est la composition des huiles essentielles. Je ne mens pas, voilà ça. Elle vit en France, c'est elle qui m'a envoyé ça. Par Cassandra, j'ai reçu, voici ça. Donc elle me dit, le matin, tu as fini ton bain, tu mets ça, on te masse, le soir, pareil. Voilà, c'est ça que j'utilise. C'est un don. Ouais, parce que je donne aussi. Faire le dirham même aussi, c'est un don. Voilà. Bon dimanche à vous et que rien ne trouble votre paix intérieure. Que rien ne trouble votre paix intérieure. Le direct que vous venez d'écouter s'appelle les choses cachées de la vie. Voilà. Comment opérer un bon choix, un choix judicieux, voilà, sans se fatiguer à l'aide des astuces, des petites astuces. Bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.